Je m'adresse aux citoyens russes, au personnel des forces armées, des forces de maintien de l'ordre et des services spéciaux, aux combattants et aux commandants qui sont en train de se battre à leur poste de combat et de repousser les attaques de l'ennemi, et qui le font héroïquement. Je le sais. Cette nuit, j'ai parlé une nouvelle fois aux commandants de tous les secteurs. Je m'adresse également à ceux qui ont été entraînés par la menace ou par la tromperie dans une aventure criminelle, à ceux qui ont été poussés sur la voie d'un crime grave, d'une rébellion armée. La Russie poursuit actuellement une lutte extrêmement dure pour son avenir. Elle repousse l'agression des néo-nazis et de leurs patrons. De fait, la machine militaire, économique et informationnelle de l'Occident est lancée contre nous. Nous luttons pour la vie et la sécurité de notre peuple. Président pays la Russie, Vladimir Poutine, Togondea, monsieur nan gros difficulté, monsieur en danger nan pays même après un groupe mercenaire levé campé contre lui. Faut a dit en bon logique chez Angèle modé met li et gagner en forte possibilité pour ta va déclencher sous un coup d'état. Mon cher Vlad Poutine pas espéré ça, monsieur tremblé coué fait bois, on nègle l'el parler sur c'est quoi l'oreille qui gondé. Eh bien monsieur li affaibli nan minute que m'a parlé ensemble avec nous là après yon groupe milice on paquet nègle nous capable reler au mercenaire qui envahit divers quartiers dans pays la Russie et gagne même site militaire risqué ou même déjà accaparé. Mon cher bagay la compliqué nan minute n'a parlé à la pour Vlad Poutine. Est-ce que nous souvent entendez un groupe milice, un paquet nèg chien méchant qui pote non Wagner? Et ben nèg sa ou qui pas manger un qui frette qui gagne en tête li Evgeny Prigojine, tout ça qui gagne derrière 25 000 mercenaires, mes chers amis. Et tout ça, li envahi en pile quartier, j'aime ça dire nous là, dans le pays la Russie. Et gagné un quartier général la Mérus là, qui trouve dans un ville de Rostov. Et bien, monsieur déjà accaparé plusieurs autres sites militaires, déjà en bas griffe, monsieur. Et monsieur a pris direction pour l'aller dans la ville Moscou, li déjà à 300 mètres, selon information, selon détail que nous gagnons, qui donc gagne en forte possibilité pour ta déclencher non coup d'état. Mais mouche Vlad Poutine, lui-même, lui plus well, en tant qu'en guerre civile. Qui s'est passé? Eh bien, groupe ça, qui pote non Wagner, que nous tendez, mes chers amis, c'est un groupe, capable de dire, un paquet militaire, ou bien ancien militaire, ancien prisonnier, qui jouit un privilège que nous connaissons sous, et capable de dire le mot même, c'est amnistie. C'est-à-dire c'est un effacement, c'est bon ba nous plus bien pour nous capable de comprendre en tant que haïtien, c'est comme si son loi qui vient là pour effacer casier judiciaire. C'est-à-dire sont condamné pour infraction, on prend côté commettre, vous te mettez en prison, eh bien et nous capable dire privilège si là, les facilités, gagne un lavage qui fait dans casier judiciaire qui vient à cause ou blanc pirate passer la neige. Eh bien groupe ça pour te faire recrutement, c'est à travers divers prison qui trouvait dans le pays la Russie qui ont allé pour être capable intégrer, pour être capable prendre quelques soldats, quelques chiens méchants, quelques criminels dernier état pour être composé un groupe mercenaires ça qui porte nom Wagner, mes chers amis. Et gain en pile média qui parlait, si tout média français qui fait qu'on est c'est un groupe et capable dire c'est on l'armée russe que mouche Vlad Poutine gen nan dol qui privé. Comprenez bien, oui, gen l'armée russe là qui c'est pour pays la Russie en général, mais groupe Wagner, selon détail, selon information, c'est pour mouche one Vlad Poutine. L'el besoin, bon, l'el armée a pas qu'à déplacer dans le pays, a, li utilise l'armée privée pour camper goumen pour lui. Et bien, selon information, nèg yo envahi divers quartiers là dans le pays la Russie. Pour qui ça, ben, selon information que m genyen, yo pren la Russie à cause commandement militaire, zombren yote bombardé plusieurs soldats dans troupe ça qui pote non Wagner, qui sont paquet mercenaires, nek sa ou pas manger un qui frette, bon gen l'impression, nek sa yo c'est requin qui ont mangé tellement qui ont méchant. Zombren, et fom din tout, et en parlant de Evgeny Prigojine, qui c'est en tête
milice là li fait connait non seulement li camper en face et commandement militaire qui bombardé plusieurs soldats dans troupes li et en même temps yo té mal géré question guerre en Ukraine là parce que trop civils qui mouri, gen trop militaires qui tombé et yo dit et bataille ça invasion qui était faite dans pays Ukraine là li pas campé sous aucune réalité négoté Jos vle agi arbitrairement et bien yo fait et bien m'a rappelé nous tout même groupe militaire ça négoté déjà déployé dans pays Ukraine et faut me dire nous selon un pile média qui t'a parlé yo fait connait nek sa yo Vladimir Poutine te ba yo commission pour yo détruire président ukrainien qui parle que Volodymyr Zelensky et détruire gouvernement qui trouvait dans pays Ukraine et nek sa yo te passé en pile temps dans pays Ukraine nek sa pas gen uniforme sou yo nous connait l'on parle des mercenaires est-ce que vous comprenez mais nek sa yo bon en tirer gen en pile moun qui était déjà crabiné dans quatre batailles ça et ben c'est ça que fait journée jodi a Vlad Poutine ouais soulèvement ça que Evgeny Prigojini même li fonce avec 25 000 mercenaires ça il dit porte là encore ouvri pour l'autre et russe qui t'a voulu rejoindre mouvement ça et bien Vlad Poutine dit c'est un coup de couteau dans dos qu'il y a pour pays a et pour lui même tout il dit Jean Bagayo pour aller là li t'a voulu déclencher son guerre civile et quant à pour chef milice là li fait qu'on est lui même depuis c'est ça que yo joint très bien oui depuis c'est ça que yo joint sous yo dans minute que m'a parlé là et là mes chers amis y a détruit tout net yo a besoin qu'on est et il démenti Vlad Poutine qui dit son coup de couteau dans dos et son comprendre il pas penser ça t'es capable faire pour chien ta mode mettre lui et bien Evgeny lui dit Vlad Poutine ou menti coué chien d'ailleurs où qu'on est à clair que yo même en parlant de 25 000 mercenaires yo yo c'est patriote yo campé les ça bon et les ça pas bon tout c'est pour yo on pousser con c'est ça que Evgeny Prigojine ni même alors et Prigojine li fait connait et faut me dire nous grand pile moun ka poser une question là y a mandé et depuis qui les groupes ça li en fonction bon pas même yo pas penché yo ignore depuis qui les groupes ça existait mais participer dans plusieurs défense en bonne que yo fait pour pays la Russie et Vlad Poutine même li wè ça en tant que on désordre mais Evgeny lui même fait connait ça l'a fait à la c'est l'autre pito là maintenant des autres parce que Jean que négo t'a fait là en parlant des ministres défense là et me capable dire numéro 1 état major on prend responsable améa c'est peut-être ça c'est camper contre yo et monsieur dit c'est pas un coup d'état non mais Jean bagala praler là pour Jean que ouais que Vlad Poutine camper au lieu pour t'attaquer négo ou été yo en tant que on dans tête et ministère défense pays a ou été l'autre ali même en tant que premier on prend numéro 1 état major responsable améa parce que li akize nek sa ou touye en pile nèg nan kanl et son pran et bien Vlad Poutine boudé Vlad Poutine campé en danseri et bien qui sa Vladimir Poutine li continue pour le dire et bien selon détail selon information Vlad Poutine li fait connaître pi gros des autres qui fait nan pays a pendant 23 l'année qu'il a dirigé et li prend décision li dit il pral pini moun sa yo sévèrement c'est ça que lui même li déclaré non conférence pour la presse et bien Evgeny lui même li dit li déjà prêt pour la mort. C'est ça qu'elle dit, li prêt pour mourir actuellement là et gagner en forte possibilité j'aime te dire là pour capable déclencher son coup d'état. Est-ce que Vlad Poutine li pral faire gros bitaille, c'est question qu'a poser mais son tour gondé, son nek tout l'op garder le comportement ou gen tan wè dans façon de parler, li pa pè pè pap, on prend on son vent, on vend un garçon que lié. En tout cas, nous pral ki ça ka ça pote, mais qui te me dit nous tout selon information, selon détail que moins gagner mes chers amis, soldats russes paniqué. Pas oublier nèg yo envahi en pile zone de Mdou yon nan ville la Moscou qui gen en pile intérêt pays la Russie la dan et ben nèg yo à 300 mètres pour arriver nan ville la et gen tan gen on préparatif k'ap fèt la gen tan gen en pile et y a renforcé sécurité davantage gen en pile et m'capable di alerte qui déjà lancé pour un paquet soldats russes meté pio à terre pour contrer carré milice Wagner ça cap bay en pile problème actuellement là dans pays la Russie c'est un milice j'aime te dire nous qui c'est l'armée privée Vladimir Poutine et Vladimir Poutine pas ka comment ça cap fait là li mande nèg yo en négocier mais pour Evgeny Prigojine il fait connait tout autant ministre défense sans pas adresser est-ce que comprendre tout en pas ka expliquer qui s'est passé à parce qu'il même n'est pas campé sur mensonge parce qu'elle perd plusieurs soldats elle dit soldats qu'elle perd yo c'est soldats c'est militaires russes même qui tirer sous mercenaires
qui t'al nan guerre et bien sortant d'y aller perdre paquet li obligé gonfler venir gonfler pour être li pour ça qu'a fait là pour respecter une fois pour toutes. Et bien qui t'aime dit tout moment ça là c'est un moment qui pas favorable dit tout pour Vladimir Poutine ni l'armée russe là parce que bataille qu'il a fait avec pays Ukraine li poko camper. Est-ce que vous comprenez? Et il y a un pile soldat qui doit camper ensemble avec soldat ukrainien yo, mais les autant de gens de bagages ont passé dans pays la Russie, yo ta vle font coup tête, yo ta vle quitter champ de bataille là pour yo vinn porter pays yo secou. Et gros cause k'ap di la oui, pas bon la caille nous. Les on bagage comme ça, comprenez? On paquet milice, on paquet mercenaires envahi on territoire. Gen ou la bagage soldat haïtien. Mon cher, si yo te tout près n'importe où ça tout dépend des côtés et yo envahi ya. Nèg yo ta pour machin lande yo. Vous comprenez? Mais nèg yo la yo vraiment en bouleverse. Yo vle quitter champ de bataille là pour rentrer la caillou pour al porter la main forte parce que otande gen divers sites militaires que nèg et Wagner ont déjà accaparé nèg gen temps prend contrôle yo et yo di m gen divers et m capable di hélicoptère de guerre que nèg yo déjà détruit parti causer nos mes chers amis gen là. En tout cas même depuis ces informations depuis ces sacs bon pour nous connaître et m'a dit dans moment là gen et mouché Joe Biden il s'ap souri dans gorge parce qu'elle dit nek sa ou trop criel et me dit c'est pas pour nek sa ou faire guerre et dans pays Libye déjà parti causer non est-ce que vous a dit son paquet nèg là Vladimir Poutine obligé est-ce que vous comprenez et monsieur Lontijan et Brené oui monsieur père oui parce que même équipement ou bien même et matériel que l'armée russe a en disposition là nèg yo gagne tout pas oublier me dit là depuis le commencement je m'a répété l'armée ça son l'armée privée qui lié pour Vladimir Poutine et il fut un temps ça gain quelques temps oui Vladimir Poutine te fait connait l'armée ça on prend milice et Wagner al créé c'est si toutefois gain en difficulté pour l'armée on prend dans pays la Russie déplacer mais nek ça pour voyer dans mission ou quoi attendez. En tout cas, bagay la compliqué, bagay yo drôle. Depuis gen détail, depuis gen information, faut me partager pour nous là. Est-ce que Vladimir Poutine, monsieur après, il va faire gros big time, ça quitter pouvoir. Pour nous pas connait, mais seul ça que nous connaît, si nèg sa yo accaparé ville Moscou. Tendez bien oui, nèg yo déjà gon men mise dans Kremlin selon information qui me gagne, mais si nèg yo ta va accaparé Moscou. Tendez bien ça m'a dit là. Pour nèg yo gen pile bagay yo déjà mettez main sous yo, mon cher, gen une forte possibilité pour ne pas gagner on est coué Vladimir Poutine dans tête pays la Russie et Vladimir Poutine vraiment estomaqué lui dit depuis on ça dit quelqu'un pense c'est pour la première fois pendant 23 l'année oui l'a dirigé dans le pays ça arrivait et pour que j'ai une formule pour sortir col dans problème qu'il y a là et Jean Evgeny Prigojine campé monsieur montré lui-même n'a pas aucune négociation les a été passé c'est en action il a 25,000 soldats campé flat Dedol, elle dit l'autre est risqué rien même mouvement, yo capable rejoindre bien rapide pour yo montrer où état major qui sale pesé pour yo monter ministre défense qui ça et qui sale pesé. Pas tout ça l'affaire là. Lui dit c'est contre ministre défense et puis état major là mais la goumen là oui. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est une attaque indirectement qu'elle fait sur un nèg koué Vlad Poutine et Vladimir Poutine ni pas petit monde ni grand monde, li comprennent quoi? Elle dit qu'on fait possibilité si ba la consigne comme ça, il a obligé gonfler pour être tout pour yo goumer. Vous comprenez? C'est pour ça étant coup et papa pral goumer ensemble avec petit oui. Comprenez bien oui? Ça va reler ça en guerre civile en tout cas. Bagay yo compliqué, bagay yo drôle depuis m'gen détail, depuis information tombé, m'pa kembe yo, m'a juste prendre yo, traiter yo et puis partager yo ensemble avec vous. Обращаюсь гражданам России. Je m'adresse aux citoyens russes, au personnel des forces armées, des forces de maintien de l'ordre et des services spéciaux, aux combattants et aux commandants qui sont en train de se battre à leur poste de combat et de repousser les attaques de l'ennemi, et qui le font héroïquement. Je le sais. Cette nuit, j'ai parlé une nouvelle fois aux commandants de tous les secteurs. Je m'adresse également à ceux qui ont été entraînés par la menace ou par la tromperie dans une aventure criminelle, à ceux qui ont été poussés sur la voie d'un crime grave, d'une rébellion armée. La Russie poursuit actuellement une lutte extrêmement dure pour son avenir. Elle repousse l'agression des néo-nazis et de leurs patrons. De fait, la machine militaire, économique et informationnelle de l'Occident est lancée contre nous. Nous luttons pour la vie et la sécurité de notre peuple, pour notre souveraineté et notre indépendance, pour le droit d'être et rester la Russie, un État qui compte 1000 ans d'histoire.
Cette bataille, dans laquelle se joue le sort de notre peuple, exige l'union de toutes les forces, unité, cohésion et esprit de responsabilité. Tout ce qui nous affaiblit est à rejeter. Toute espèce de dissension qui peut être utilisée et est déjà utilisée par nos ennemis extérieurs pour nous détruire de l'intérieur. C'est pour cette raison que les actions qui divisent notre unité sont, par essence, un reniement de notre peuple, de nos compagnons d'armes qui se battent actuellement au front. C'est un coup dans le dos de notre pays et de notre peuple. C'est exactement le coup qui a été porté à la Russie en 1917, lorsque le pays se battait dans la Première Guerre mondiale, mais que la victoire lui a été volée. Les intrigues, les querelles, la politique aérie dans le dos de l'armée et du peuple se sont soldées par un bouleversement extrême, par la destruction de l'armée et la désintégration de l'État, par la perte de vastes territoires. Le résultat fut la tragédie de la guerre civile. Des Russes ont tué des Russes, des frères ont tué leurs frères, et les intérêts lucratifs ont été récoltés par toutes sortes d'aventuriers politiques et de forces étrangères qui divisaient le pays et le déchiraient. Nous ne permettrons pas que cela se reproduise. Nous protégerons notre peuple et notre État contre toutes les menaces, y compris la trahison interne. Et ce à quoi nous avons été confrontés, c'est précisément à une trahison. Des ambitions démesurées et des intérêts particuliers ont conduit à la trahison de leur pays, de leur peuple, et de la cause pour laquelle les combattants et les commandants de Wagner se battaient et mouraient aux côtés de nos autres unités. Les héros qui ont libéré Soledar et Artyomovsk, les villes et villages du Donbass, qui ont combattu et donné leur vie pour la nouvelle Russie, pour l'unité du monde russe. Leur nom et leur gloire ont également été trahis par ceux qui tentent d'organiser une rébellion, poussant le pays vers l'anarchie et le meurtre fratricide, vers la défaite et en fin de compte, la capitulation. Je le répète, toute fronde intérieure est une menace mortelle pour notre souveraineté, pour nous en tant que nation. C'est une attaque contre la Russie, contre notre peuple. Et nos actions pour protéger la patrie d'une telle menace seront dures. Tous ceux qui se sont consciemment engagés sur la voie de la trahison, qui ont préparé une insurrection armée, qui ont choisi la voie du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inévitable. Répondront devant la loi et devant notre peuple. Les forces armées ainsi que d'autres autorités publiques ont reçu les ordres nécessaires et des mesures antiterroristes supplémentaires sont en train d'être mises en place à Moscou, dans la région de Moscou et dans un certain nombre d'autres régions. Des actions résolues seront également entreprises pour stabiliser la situation à Rostov-sur-le-Don. Elle demeure difficile, le travail des autorités civiles et militaires étant de fait bloqué. En tant que président de la Russie et commandant en chef, en tant que citoyen russe, je ferai tout pour sauvegarder le pays, de défendre l'ordre constitutionnel, les vies, la sécurité et la liberté des citoyens. Ceux qui ont orchestré et médité l'insurrection armée, qui ont levé l'arme sur leurs frères d'armes, ont trahi la Russie. Ils en répondront. J'exhorte ceux qu'ils tentent d'entraîner dans ce crime à ne pas commettre une erreur fatale et tragique, une erreur irréparable, à faire l'unique bon choix, c'est-à-dire à cesser de participer aux actes criminels. Je crois que nous préserverons et saurons défendre ce qui nous est cher et sacré, et qu'avec notre patrie, nous surmonterons toutes les épreuves et gagnerons encore en force. Nous, les quatre nègres, ça sur l'écran. Alors, pour qui ça me dit que Interpol qui travaille? Hier soir, au Markel, t'es presque 11h du soir, moi, t'ai publié un texte. Bien avant, t'es quand dans qui, là, t'es dans 9h, là, m'te écrit pour les textes, là. Vers 11h, m'te abral bas, on l'autre information avant de dormir. Tendez bien. M'pavle dit yo te arrêté, Pasteur Forge.
Pasteur Gérard Forge, m'a dit qu'il a arrêté, mais monsieur était en difficulté en République Dominicaine. Et c'est ça, son on bagage m'vle dire qui fait m'bral ban information ça. M'pa joindre pasteur pour m'parler avec elle pour lui dire ça ba lanye, mais m'pa l'approche li. Pasteur Forge, monsieur était en difficulté en République Dominicaine. Monsieur qui est sorti en Haïti, il passé par République Dominicaine pour rentrer aux États-Unis. Il a bloqué Pasteur Forge, il pas venir. Ça semblait c'est Interpol qui t'est bloqué avec agent immigration t'est bloqué. Pour qui ça a bloqué? Parce que t'as semblé que yo te gen temps au courant de mandat que yo te lancé contre pasteur que peut-être yo pas de jambe connaît s'il t'est rentré ou pas. Interpol décidé pour yo kembe pasteur, pour yo kembel, pour yo questionnel. Attendez bien oui. C'est montre si nèg yo vle pays a ka marcher oui. Interpol ka aidé DCPJ la justice haïtienne, yo ka aidé si yo vle. Yo kembe pasteur jusqu'à ce que pasteur a prouvé que le bon certificat de grec qui n'en mêle que le tal devant juge. Et malgré le présenter ça, yo pas fait ça, yo pas fait confiance. Yo prend temps pour yo connecter, pour yo investiguer avec la justice haïtienne pour yo assurer au document li correct avant yo accepter libérer pasteur Forge devant juge déjà. Donc, monsieur libre de mouvement, il n'y a pas d'interdiction pour le déplacer et il a quitté l'allée. Donc, si son nèg que vous avez cherché vraiment, Interpol t'a arrêté pasteur et t'a pimpé le retourner en Haïti. Suivez mon regard. Kounia, les suites Mickey qui prend dans ses balles tout côté, il n'y a pas qu'à jouer au Canada. Chaque côté, il passe là, même aux États-Unis, il a couru derrière, il n'y a pas qu'à jouer. On pense que ça va dire, hein? Eh, Wood Powell. N'attend les États-Unis. N'attend les États-Unis. OK? Ça veut dire que monsieur Sayo est sanctionné par le Canada. Donc qui suivi, nous pas connaît, mais il y a l'autre monde qui va le sanctionner. Et j'aime dou là sur le plan politique parce que m'te dit ça a pas longtemps. Gon nettoyage qu'a fait sous terrain là. Gon clean up qu'a fait. M'pa ta souhaiter clean up là, c'est pour ba nou moun yo souhaiter ba nou. Mais gon paquet mauvais jeu que a pour été là débarrasser là tout. Yo pas de fin bon moun basse ça et pays a konnen ou déjà. Tande oui, un pays a konnen ou déjà. Ça veut dire que c'est la société haïtienne qui pour assumer responsabilité. Et si on prend nèg yo sanctionné parmi des chefs de gang, son message clair qui voyait et justement message là vle dit ça vle dit. Message la vle dit, ça vle dit. En tout cas, la société de nèg sa sous écran, monsieur que nous connaissons, c'est ancien délégué départemental l'Ouest, Pierre-Richard Duplan. Nèg sa non, il était toujours cité dans un paquet de dérives. Par exemple, complicité ou encore complaisance li. Ou encore, monsieur, son nez qui t'a deux mèches. Avec base Pilate, par exemple. Monsieur avec ancien directeur général ministère intérieur. Qui te gagne non cité dans affaire. Van Visa, passeport. Et ma jour là, et pas moi. D'ailleurs, son nez. Moi-même, là, moi, Fedel, on a quitté écrit, il dit, moi, tété, bah, il s'est, on va attaquer leader. Un leader, lui, on a quitté mes leaders, bah, attaquer leader. Tellement qu'il y a leader dans le pays, ça. Pour qui ça, monsieur, de dire ça? Parce que, bon, bagay, me songe, vite, garde avec, sur l'écran. Image ça de Fedel, lui, rappelez mon paquet de bagay. Fedel, mon chéri, t'es candidat pour département l'Ouest ou PHTK. Ouais, PHTK. Avec, dans l'élection Jovenel, là. Mais Fednel là qui me notait de bras derrière. Pile mouchoir lim dans des bon collier. Li gon paquet plaque service de l'état dans véhicule là lorsque le patron est encore. Papier machine ça sous fond screenshot ou faire zoom sous li.
Ou après c'est première dame nan nol sous li Rosemila Saint-Ville petit frère, c'est lui même nol sous papier machine ça. Sous font screenshot, font zoom sous li, ou après c'est non Rosemila sous papier machine. Et m'dan li gen lè autre ensemble. Ba konnen, yo di même en beau Rosemila et tout. Moun l'église yo oui. Yo di m'sa adventiste li et tout, les amis ça. Ou pile mouchoir li. Yo di m'adventiste li et bi mais pile mouchoir là, il gen toute couleur. Yo arrêté monsieur Jean ap gade là. Yo men hôtel de bras derrière. Parce que tu as gagné à l'aide sous véhicule li depuis dans la rivière, tu as couru derrière monsieur jusqu'à ce que tu fouqué monsieur, tu mené dans le commissariat de Port-au-Prince. Pendant monsieur dans le commissariat de Port-au-Prince, gang craché dit fait activé. Coup de balle fait Mikalao. Pendant la police a fait des marches pour faire dossier monsieur pour mettre dans le dépôt en attendant. Même journaliste qui était là, me songe les Luni Joseph reporter à l'époque. Et qui est-ce qui était là quoi? Et Tichel Bert était là, il lim quoi tout nèg sa était à terre. Est-ce que il était là? Moi était là, il était là. Et puis flash a bail. C'est gardé, ouais, monsieur disparaît dans mitan yo. Yo pa wè li, yo ni kon machine vini là. Et puis yo changé machine sou yo. Yo mette Fednel l'autre machine nan volé. Gaz collé, machine disparaît, yo pa wè li. Ça veut dire pour juste moment on a parlé là monsieur on est qui en cavale. Et pas blague m'a bay non. Moi m'pa comprendre pays ça non. Pour juste moment on a parlé là monsieur son est qui en cavale parce que Jean-Wel me noté a. Monsieur était dans commissariat de Port-au-Prince. C'est gardé, ouais, monsieur disparaît devant mon yo. Yeah, oui. Son abset pété là. C'est pays ça difficile tout bon, oui. Écoutez. Pendant la police a fait des marches pour faire dossier pour monsieur, monsieur disparaît. Pour juste moment, on a parlé là. Et puis, brusquement, moi, pas longtemps là, Fednel, mon chéri, paraît, tout côté. L'a attaqué, bon, son l'autre bluffer tout, mais il tombe attaqué Pierre Espérance. L'a attaqué, nous devons le courir, il prend dossier Chelson, ça non. Et ça te fait, nous devons suivre Nexab, il prend dossier Chelson, bagage ça yo. Oh, monsieur a bâillé conférence de presse tout côté. On saisit. Alors, ce que Fednel, mon chéri, avec Tosa, Fednel, monsieur, j'ai accusation sous lui. Pour bagay, passeport, bagay, visa, d'ailleurs, ça te fait le révoquer comme directeur général ministère de l'Intérieur. Nous sommes Betty Milou. Eh, Betty Milou, tap dil. Vin prend pile passeport la Kali, mais il bagage geste la Kali. Nous sommes bagay, ça dit vidéo là, oui. Vous comprenez ça, m'dou? Écoutez. Eh bien, deux messieurs Sayo, gagné le juge, instructeur Jean-Wilner Morin, qui m'a débrouillé que ça vous présenter devant. Et bien, la gen la plus loin. Juge la mandé, justement, juge la décerné contre yo. Yon mandat allé benevini. Bah yo mélange de benou, hein. Eh, bon, gardez pour moi bien. Hein? Parce que, de nek sa yo, gen yon mandat allé benevini qui décerné contre deux messieurs sa yo. Fednel mon chéri. Vous comprenez ça? Parce que nèg yo tellement pas respecté moun nan peyi an. Juge Jean-Wilner Morin semble inviter nèg yo, li pa présenté. Asel, ou konnen nèg sa yo, tout juge c'est nan poche yo lié, yo fè ça yo vle, ça te fè ou yo voye touye met juge Morin et pou personne pa dan rien. Ouais, monsieur non nèg yo voye touye. Monsieur nèg ki mouri, oui. Bon Dieu pa vle le mouri, il pa mouri. Mais yo voye assassiner monsieur, ouais même pouvoir pas dire, même CSP j'y fait un bouche li oui. Mbadou, jou yo attaque juge Morin, il était supposé tant de magistrats avec son ville là. Kessner Nomil. Nèg non te cité dans assassinat commissaire inspecteur Alix là. N'oubliez ça. Archive yo là, faut n'a aller pour pays là. Faut n'a aller et par contre nous gars personne, non là faire émission. Nous râler archive yo parce que archive yo là. Et c'est ça que toujours dit confrère mieux en Haïti. Archive yo là. C'est pas où qui fait information, pas bay menti sou nèg là.
Ou pas besoin de créer boss, créer zin. Archive yo là, juste râler yo. Telle époque, gen tel événement. Et puis, lorsqu'on journaliste, faut au moins un minimum de culture générale avancer. C'est-à-dire, gen bagay faut qu'on ait. Gen archive faut gen yo tout. Et ça te fait besoin de finir studio à là très bientôt. Parce que m'bral gen une banque de données. Gon zami te mande m'za, c'est tout cool besoin faire bel reportage, li vin checker moi. Et il dit, son bibliothèque, où il était là, ou son bon archiviste, il dit, attention, chef, là, posez son. Ouais, mission à faire là, il dit, gen bagay pour payer à songer, faut m'aller dans l'archive depuis 1804. Pour me dire, peuple là, mais ça que t'es passé du 1804. Écoutez, l'assemblée juge l'a invité, monsieur, il va venir. Il va venir. Et bien, il y a un mandat qui descendait contre lui, ensemble avec Pierre-Richard Duplan. Nèg sa yo accusé comme auteur intellectuel, massacre, la saline, non? Côté plus passé 70 pour te mourir la saline. D'ailleurs, DCPJ fait rapport sous Baïsa, non négocité. Nations Unies fait rapport, non négocité. RNDDH fait rapport, non négocité. Un exemple qui trace dans le pays. Faut qu'il y ait un exemple qui trace dans le pays. Et je vais regarder maintenant mon travail là. Je pense que la société haïtienne. Yo gen pour si yo pa yo tout pa d'accord nan gang nan corruption nan volo yo gen pour obligation pour yo sécuriser pour yo protéger on nèg tan kou Maître Morin juge Jean-Wilner Morin juge Jean-Wilner Morin mérite protection société a et c'est parce que me dit nous pas rentrer dans quelle initiative encore sous les réseaux sociaux yo sinon me tape déclencher un processus pour n'acheter blindé. Même j'ai pas muscadé pour juge Morin. Même pas rentrer dans le dossier ça encore. Mais société a besoin garantie sécurité juge Jean-William Morin. Parce que fuck, tout nèg pas parti qui pays a. Famille juge Morin pas veut l'état haïtien encore. Parce que li pas protégé par l'état haïtien. Mais tout policier, c'est bon policier pas dans volo, yo gen pour obligation pour sécuriser, pour protéger juge Jean-William Morin. Parce que tout n'est pas dans le volant dans le pays, et puis tout n'est pas dans le pays non plus.